bagaille qui vient. Ça qui fait que nous avons bagaille, grand pile instance qui besoin faire bagaille ça. Qui besoin faire un côté mdadou, en pile tambour qui a joué, mais et chance patron vaillant qui c'est et gain siège lui-même, il toujours travaille chaque dimanche, gain cours tambour la kaili. Et puis il fait une initiative mouvement ça pour gamna c'est lui-même qui fait. Même si que le focal la donne, il y a une instance qui peut être collaborer avec eux, mais mouvement c'est patron vaillant qui fait. C'est un atelier que n'a réalisé pour des jeunes tambourineurs. Alors, là, je dis jeunes, disons des tambourineurs qui ont évolué déjà dans une série de cercles qui font activité musique, danse folklorique. N'a réalisé atelier ça pour nous, renforcer la capacité pour nous jouer le rythme traditionnel correctement. Et n'a enseigné tout quelques rythmes traditionnels cap disparaître que parce que vous manquez pratiquer. Pour mes travailleurs, c'est sauvegarder et c'est quel est ça qui a perdu. Ça a perdu, ça n'a pas joué presque, c'est que sauvegarder. C'est que ancien qui te conduit ça, cap disparaître, passer au bas jeune, même capable de comprendre. Et pas seulement le rythme qui répète tout le temps, ça va habituer avec le rapport au président, mais il y a des rythmes qui disparaissent qui doivent faire le pouvoir pour nous qu'un. Deuxième élément qui est important pour nous, c'est que il y a des rythmes qui ont diversité dans la façon de jouer. C'est que c'est fait ancien, fait jeune, nous connaît que le rythme, ça parle d'une seule façon. À l'heure actuelle, le rythme Poco est en mesure de sauvegarde, en mesure de protection. Travailler ça, c'est essayer de qui ça qui fait. Dans le domaine radio, pour que le ministère de la Culture ait un document, tout le matériau que nous travaillons, pour lui-même soit capable en état, pour qu'il soit capable de sauvegarder. Et après, cette idée, par nous, ce n'est pas seulement un classement dans le registre national qui Haïti, c'est garder qui j'ai un rite, ça est capable d'inscrire à l'UNESCO. C'est capable de garder qui j'ai un rite, ça est capable de nous mener à l'UNESCO, pour que l'autre peuple soit capable de goûter, capable de connaître qui richesse. Au niveau rythme que Haïti gagne. C'est travail, mais comme je me suis dit déjà, sur même question de sauvegarde, ça qui c'est tambour ancestral avec chanson d'Haïti et puis fondation des trois fonds. Et son travail. À part CDA qui continue là, à part des CDA qui ont comme une finesse pour tenter, mais. Les gens qui conjuguent tout, ça veut dire que tout le monde qui l'a eu, c'est des gens qui conjuguent le tambour déjà, mais qui viennent prendre un renforcement dans la question folklore. Parce que dans le tambour, il y a trois dimensions qui jouent, qui font jouer le bizarre, qui font jouer le. Et dans le folklore, ça apprend là, et puis qui font jouer le bizarre, c'est là, chaque chose façon différente. Ça, c'est professeur Brasso. Okay, okay. C'est pas que le bajou tout le tambour, non? Oui. Il est spécialiste basse. Mais basse là, combien de tambours qui composent basse là? Ah bah, là, tu vois là. Ok. Quatre tambours? Qui l'a eu qu'on joue tambour, okay. C'est ça qui fait au fond section. Il dit mon cap joue maman à la maman. Pour nous, on a choisi maman. Ou bien, on a pas de spécialiste ou maman, mon conjoint tambour. Ou prend maman, monsieur prend second, on moun prend kata, on moun prend basse. Mais basse là pas en pile. Mais quand même, il y a deux trois mesdames qui va prendre basse là avec un garçon. Tambour, c'est un instrument marginalisé. Et tout rite qui sont, et tout rite qu'on part, tout l'autre rite qui joue dans Haïti, basse, c'est tambour. C'est que c'est quand on rentre la culture, maman la culture. C'est lui-même, c'est que quelque part, il faut aller en sous. Là. Et une autre chose qui revient à la sous la culture, pour nous renforcer sous la culture, c'est tambour. Avec deux mouns qui ont 50 ans, qui ont 40 ans, qui ont 30 ans, qui ont pratiqué tambour, pour nous faire au contraire avec des jeunes qui ont 5 ans, 10 ans, qui ont pratiqué tambour.
sorte que je trouvé manquer certaines cohérences en tambourine. Et là, je suis arrivé dans la focale, je suis proposé focale pour que le tambourine soit capable de plus de dynamicité dans sa affaire de tambour. Et puis, deuxièmement, il y a quelques rythmes qui sont censés disparaître. So, dans la disparition, ça m'a voulu que récupérer tout le rythme. Le monde ça, qui n'a pas de connaissances pour partager dans sa marque. Bon, on choisit comment c'est bien déroulé. Parce que le séminaire est divisé en deux parties. Il est divisé dans le rythme qui est perdu. Il est divisé tout, ni dans ça qui a joué, même en une certaine dynamicité. Dans le tambourine. Parce que lorsque j'ai un bon chorégraphe, et le genre de personne ça a toujours varié dans le mouvement, dans ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin de jouer avec qui c'est qui n'a pas. Et chacun n'a pas besoin de jouer, c'est la force qu'il a pour reconnaître. Chacun reconnaître, c'est la force que lui-même a pour orienter en tant que monde. Parce que pour le monde dans le monde, il faut qu'on compte qu'il tue. Il y a une tendance à ajouter, à faire parole, à jouer. Ça qui fait que le danseur lui-même, il a un petit genre perdu, dans ça fait, et un petit genre tout, et pas qu'à exécuter la chorégraphie, j'en peux pas exécuter. Et puis l'autre problème, il a gagné tout, c'est que. Il a remarqué que vin manque variété dans ça que y a pour free public là puisque et grand pile rythme que tu connais danser longtemps yo vin pas danser encore parce que pas jeune tambourineur qui connait jouer rythme ça yo pour continuer danser. Donc c'est toujours l'air faire activité danse folklorique, c'est toujours même spectacle que a présenté, c'est toujours même danse même rythme alors que gagne en pile et monde qui fait recherche sur rythme folklorique haïtien qui dit que il y a des gens qui parlent de 200 rythmes, il y a des gens qui parlent jusqu'à 400 rythmes que nous gagnons, qui rentrent dans le folklore noir. Donc c'est vraiment dommage que nous avons quitté tout rythme perdu. Donc il faut que nous pratiquions et jeunes tambourineurs, comme nous n'avons pas l'école de tambour en Haïti, il faut que nous fassions formation pour eux, pour qu'ils aient toujours quitté le rythme, pour qu'ils aient pratiqué, pour qu'ils aient faire l'autre tambourine jouer tout. Et comme ça, le rythme n'est pas perdu parce que le rythme traditionnel est rentré dans ça qui est le patrimoine culturel immatériel. Son bagage qui est bien fait pour nous, tout le temps, il y a une possibilité pour nous, pour que nous pas jouer Macumba ou jouer. Et si nous pas jouer même. Si nous pas jouer même sur l'autre bagage à pied. Il y a plus pour chaos. Il y a des gens qui viennent là, qui viennent dégager. Pour raison, ça parle tout va investir totalement avec Focal, Goudel, Café, pour nous renforcer les praticiens, les tabous de nous, pour nous capables de faire la culture. Manifestation, par exemple, manifestation culturelle, nous apprenons nous-mêmes, prenons 1000 tambourineurs qui sont dans 10 départements pour marquer la fête traditionnelle. Si la fête est à 18 mai, nous avons 1000 tambourineurs qui ont joué. Si la fête est au Cap 18 novembre, nous avons 1000 tambourines qui ont joué. Au même 1er janvier partout, c'est l'idée. Nous avons besoin d'arriver en bagarre comme ça pour que tout le monde. Nous avons une dimension pour aller sur le travail terrain. Parce que ça, on joue au Cap, pas forcément ça, on joue dans le sud. Ça, on joue dans le sud, pas forcément ça, on joue dans le sud-est. Par exemple, on regarde dans le nord. Comment y aurait les rituels? Toutes ces vaudous, il va identifier. Par exemple, nous disons qu'on nous dit ceci là-bas. L'autre bois, il jouait tout ça autour, mais il jouait les robots. Alors c'était ça, et c'est pour ça que moi-même, moi là, avec les robots du monde, dans le boulot stick, moi-même.